Hey, salut tout le monde et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur GPS4 et on se retrouve évidemment pour la suite de notre Let's Play tout simplement avec l'Ukraine. Du coup, il faut qu'on gagne. On va tout faire hein, pour gagner. Hop, on balance tous les soldats. Tout ce qu'il faut pour gagner. Donc là, lui, il est en train de rien faire, hein, si je vois bien. Bah, il fait rien. Donc ça, c'est un peu chiant. Oui, essaie de me casser cette base, en fait. Ça serait sympa. Au moins, ils auront plus une base chez moi. Paf. Ok, ils vont me la faire péter en plus, celle-là. Stop. Elle est où l'autre? J'en avais un autre qui devait arriver. Il n'y en a pas. J'en ai pas un autre. Ah, il s'est fait sûrement bombarder. Bah écoutez, tant pis. Hein. Détruis-moi ce qu'il y a là-dedans, là. Il y a sûrement des gens dedans. Ouais, il y avait des gens. Hop, il est mort. Oh là là. C'est pas ouf, ouf hein, ce qui se passe du côté russe. Et malgré tout, les Russes, c'est complexe, hein, là, ce qui se passe hein, pour eux. Oula. Je m'attendais pas à ça. Ouh, mais il y a du monde là qui arrive. Vite, les mecs, allez dans cette... Non, 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 non. Ouais, bon, allez dans cette ville au pire. Je sais pas c'est qui me bombarde par le nord, mais il y a des gens qui me bombardent. Ils m'ont trouvé. C'est la fin. C'est la fin, mesdames et messieurs. Après, il y a toujours lui hein, qu'on peut utiliser, mais c'est fini. C'est fini. Et je te paie 10 000 en 2 ans. 10 milliards en 2 ans, ça te va? Ouais, quitte à laisser tomber, laissons tomber. Mais en soi, on n'a pas été si mauvais que ça en vrai, donc ça passe. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben ouais, mais... Vous êtes bien, bien sympa, mais je peux rien faire. Mais putain, mais nous sommes dans une guerre, ça serait sympa de comprendre. Ah, j'ai trop mal joué, surtout avec mes chasseurs. Ah là 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 là. Pourquoi les... Pourquoi ils reviennent tous? Donnez-nous des armes alors qu'on peut pas. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont oublié de qu'on puisse, enfin que l'IA puisse donner des armes de façon automatique. Notre armée. Et voilà, et encore une cyber. Allez vous faire enculer, purée. C'est pas possible. Et on a quand même bien résisté, hein. Juste qu'on a fait de la merde, hein. Ah oui, bah, de toute façon, c'est cassé, donc. De toute façon, tout est cassé. Mais par contre, si on regarde en termes de tuer, on a quand même tué beaucoup de monde hein, du côté...
du côté russe, sachant qu'ils ont plein de bases très loin, donc il n'y a pas que des bases ici, près de la frontière. Et surtout que là, ils sont sûrement en train d'appeler les autres, hein. Frontière modifiée, dette à payer par Russie à Ukraine. Ok. C'est la fin de la guerre normalement. L'Ukraine est sauvée. La paix est établie en Ukraine et le peuple ukrainien va pouvoir reconstruire son pays, bien qu'elle ait dû concéder quelques régions à la Russie pour obtenir l'accord de paix. L'Ukraine conserve néanmoins sa souveraineté sur la majeure partie de son La situation. territoire. Ouais, je sais que j'ai perdu. Pourquoi? Parce que finances publiques? Combien finances publiques? Ah ouais. Laissez-moi au moins regarder. Mais putain! Ah, mais c'est parce que j'ai gagné? Ah, bon, ben on a gagné, écoutez. En fait, il fallait juste faire un accord de paix et puis voilà. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Bon, bah écoutez, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous souhaite en tout cas de passer une bonne soirée et une bonne journée. Bah c'était cool, mais je trouve qu'il y a encore des bugs. En fait, il faudrait vraiment qu'ils refassent une mise à jour. Parce qu'il y a pas mal de bugs. Mais en tout cas, je voudrais bien le refaire à un moment donné. Mais là, il faudrait vraiment qu'on arrive à gagner contre eux. Et là, si on arrive à gagner contre eux, ça serait vraiment pas mal. En plus, on peut le faire, hein. Vous avez vu comment j'ai résisté? Vous avez vu comment j'ai résisté? Franchement, on peut le faire, hein. On peut le faire. Donc go, hein. Go le faire et on sera bon, hein. On sera bon. En tout cas, mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Salut à tous.